Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette rencontre en compagnie de Pierre Ménès. Ça va Pierre ? Salut Hervé, salut à vous tous. Aujourd'hui, on va voir évoluer les loups de Wolverhampton face à Manchester City. Et dans ce match, on va suivre Manchester City, bien sûr. Voilà un départ en fanfare, digne d'un futur champion. 6 points en 2 matchs et peut-être 9 tout à l'heure. On suivra bien sûr Lorenzo Insigne aujourd'hui, que plus d'un entraîneur rêverait d'avoir dans son effectif. Ouais, il faut dire qu'il est très très rapide et qu'il pose en général beaucoup de problèmes aux défenseurs adverses. Une formation qui, on s'en souvient, reste sur un succès à domicile. Je vais survoler ce match et c'était imposé sur le score de 5 à 1. Ils sont dans une super dynamique. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. Et l'entraîneur va s'en remettre à un 5-3-2 pour ce match. C'est dire qu'il a des ambitions dans le jeu. L'une des caractéristiques de cette équipe, là, c'est la volonté de récupérer le ballon très vite en allant presser l'adversaire, y compris d'ailleurs dans sa moitié de terrain. Ouais, c'est quelque chose que l'entraîneur travaille beaucoup en semaine. Il y a des joueurs qui savent mettre la pression sur l'adversaire pour lui faire rater des passes. C'est parti pour 90 minutes. Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, Modric, Kevin De Bruyne, Sergio Aguero, De Bruyne. Ouais, très bonne passe de De Bruyne dans l'espace. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Ouais, ça part très loin avec ce dégagement. Bellerin. Kevin De Bruyne. Modric. Ivan Perisic. Avec un tir. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. En dehors de la surface, il déclenche ce tir tendu qui va sur la droite du gardien. Manchester City qui fait la course en tête. Même dans le cœur. Ruben Neves. João Moutinho. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Calvert-Lewin. Non, le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé. Il y a un hors-jeu. Van Dijk, Modric, Virgil van Dijk, Aurier, Kevin De Bruyne, Insigne, Sergio Aguero. Ouais, la bonne passe d'Aguero, c'est dangereux. Oh, le poteau, le ballon qui revient en jeu. Johnny. Ruben Neves. Et si c'était rentré, on aurait assisté à un autre match, mais là, ça reste ouvert. Allez, le centre à venir. Le danger. Ouais, la frappe. Un petit peu pressé sur ce ballon. Rodri. Virgil van Dijk. Angelino. Van Dijk. Serge Aurier. Modric. Insigne. De Bruyne. Même dans le cœur. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir.
Il est à la récupération au milieu de terrain. Kun Agüero qui s'enfonce. Insigne. Et l'arbitre qui siffle. Un enjeu lui a été signalé. Ivan Perisic. Modric. On assiste à vraiment un regroupement défensif. Oh, l'intervention exceptionnelle du gardien. Oh, quel arrêt. Ah, ça, c'est un sacré plongeon, Hervé. L'arrêt du match, peut-être. Cette occasion de but qui finit dans les bras du gardien. Elle n'était pas facile à capter, cette balle. Le gardien était bien attentif. Belle action avec une belle frappe de loin, mais bon arrêt du gardien. On voit bien sur les images que le tireur essaie de mettre de la puissance, mais ça ne suffit pas. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Attention à la frappe. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Luka Modric. Allez, il faut centrer. Modric. Ouais, excellente récupération sur les côtés, ça va repartir. Rodri. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Le ballon qui change de possession. Aurier. Modric. Insigne. Sergio Aguero. Rodri. Ivan Perisic. Kevin De Bruyne. Un long ballon loin devant. Man City qui va bénéficier du corner. Le public qui sent que c'est le moment de concrétiser cette belle séquence. De Bruyne va chercher un partenaire dans la surface. Bellerin. Angelino. Modric. Agüero. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Rodri. On fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Le tir. Ah, ça passe assez loin, finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Il faudrait un peu de la passe à 10, là. Ce serait bien qu'il passe à autre chose maintenant. Perisic. De Bruyne. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. L'a dégagé pour écarter le danger. Rodri. Insigne. Perisic. Romain Saïs. Ouais, le pressing haut, oh, efficace. Il choisit de repiquer au centre. Oh, le ballon perdu dans une zone dangereuse. Avec peut-être un but d'Agüero. Ce sera encore concédé par la défense finalement. Allez, il trouve la surface de Van Dijk. Ouais, il donne de l'air à son équipe. En mise en jeu pour les Citizens. Ivan Perisic. Modric. De Bruyne. Petit aveu d'impuissance. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il a pas cadré. Alors, l'information est maintenant officielle. L'AC Milan a bel et bien acheter un nouveau joueur.
Oui, oui, Hervé a noté que le montant de la transaction aurait atteint une somme astronomique. Robin Neves, Romain Saïs, Raúl Jiménez. Un petit peu piégé, hein, sous pression là. De Bruyne. Ivan Perisic. Ah, il lui remet, ouais, ça joue vite et bien. Ah, il perd ce ballon. Calvert-Lewin, Johnny, Raúl Jiménez, De Bruyne, Rodri, Bellerin, Luka Modric, Perisic. On voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant son... Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, hein, parce que le jeu, c'était pas là. Romain Saïs, Raúl Jiménez, Robin Neves. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Rodri, Insigne. Un défenseur complètement dans le vent. Oh, quel geste! Allez, allez, Insigne, c'est une occasion! Ah ouais, l'énorme parade du gardien! Ah, elle est belle, le gardien a réagi à une vitesse supersonique, il fallait le faire. Un arrêt pour éviter le pire et qui sait, qui peut servir d'électrochoc à cette équipe. Ce match n'est peut-être pas encore perdu. Oui, la frappe. Angelino. Allez, 3 minutes hein, de temps additionnel indiqué. Modric. De Bruyne. Insigne. Rodri. Sergio Aguero. Aguero qui frappe. Ouais, l'arrêt du gardien sans souci. Modric, Perisic. Oh, il peut centrer. Luka Modric, la frappe. Attention au poteau, c'est pas fini. João Moutinho. La mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0. Il a signé une bonne première période, hein, je trouve. Bon, c'est mon avis, Pierre. Vous en avez pensé quoi, vous, de sa performance? Il était assez bon, cette première mi-temps. Il a permis à son équipe de prendre l'avantage. Dommage pour lui qu'il ait trouvé le poteau sur une autre occasion. C'est parti pour 90 minutes. Avec un tir. Oh, le but, l'ouverture du score. L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Modric. On assiste à vraiment un regroupement défensif. Hein, c'est Oh, l'intervention exceptionnelle du gardien. Oh, quel arrêt. Ah, ça, c'est un sacré plongeon, Hervé. L'arrêt du match, peut-être. Rodri. On fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Le tir. Ah, ça passe assez loin, finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé.
Début de la seconde période à l'instant. Manchester City fait la course en tête. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Johnny. Et il dégage. Allez, ils vont jouer la touche. Johnny. Voilà, parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Allez, le centre, mais contré par le défenseur. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à la... Il prend sa chance. Ouais, il y a une frappe de mule, mais qui ne sert vraiment à rien, qui passe très largement au-dessus. Virgil van Dijk, Serge Aurier, Kevin De Bruyne, Bellerin, Agüero, Insigne, le tir, mais c'est pour le gardien. Romain Saïs, Robin Neves. Insigné. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Ça donne un corner pour Man City. On revoit encore une fois cette action. On était vraiment pas loin du but. Allez, il trouve la surface de Van Dijk. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Brozovic, entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique. Le long de la ligne de touche, Calvert-Lewin, Robin Neves. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ouais, la bonne passe d'Agüero, c'est dangereux. Allez, allez, Insigne, c'est une occasion. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Un but, somme toute assez logique, hein, Pierre. Sur le papier, cette équipe était déjà la plus forte. Elle a pris le match par le bon bout, forcément ça paye. Et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant. Romain Saïs, l'attaqueur. La bonne interception. Oula, ça n'ira pas plus loin. Calvert-Lewin. Matt Doherty. Attention, le coup de sifflet de l'arbitre. Il y avait hors-jeu. Il tente un coup. Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire. Kevin De Bruyne. Sergio Aguero. Aguero qui a joué très tôt avec le nom de Kun Aguero sur son maillot. Je crois que ce sont ses grands-parents qui lui trouvaient une ressemblance avec un personnage de série télé japonaise. Un peu comme si mes parents m'avaient appelé Casimir, tu vois. Raúl Jiménez. Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe, complètement à l'adversaire direct. Federico Bernardeschi. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Contré. Attention à la frappe.
Perisic. Insigne. Kevin De Bruyne. Gibbs White. Même dans le cœur. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Il cherche un coéquipier dans la surface. Attention, hein, ces coups de pied arrêtés, ce sont souvent des occasions de but. Voilà un corner pour relancer un peu cette équipe qui, jusqu'ici, est plutôt dans la mouise. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Luka Modric. Brozovic. Angelino. Ils mènent le score, ils font tourner le ballon. Et ça n'a pas l'air de déranger l'adversaire outre mesure. Federico Bernadeschi. Sergio Aguero. Aurier. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Ivan Perisic. Insigne. Sergio Aguero. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. De Bruyne va chercher un partenaire dans la surface. Attention, le corner, le gardien qui boxe le ballon. C'est bien fait. Il est un petit peu cerné là. Enfin, le gros pressing efficace, il se retrouve peut-être avec un bon coup à jouer. Oh, superbe sauvetage du défenseur au tout dernier moment. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Et ce ballon qui est récupéré. Kevin De Bruyne. Insigne. De Bruyne. Brozovic. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Un corner encore, ça pousse pas mal en ce moment. Belle action avec une belle frappe de loin, mais bon arrêt du gardien. On voit bien sur les images que le tireur essaie de mettre de la puissance, mais ça ne suffit pas. Allez, il trouve la surface De Bruyne. Ouais, c'est dégagé une fois de plus. Il est en position pour centrer. Le public, il veut une frappe. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Raúl Jiménez. João Moutinho. Ruben Neves. Brozovic. Van Dijk. Serge Aurier. Angelino. Perisic. On est entré dans les 9 dernières minutes de ce match. 2-0, les minutes qui défilent. Tiens, on va peut-être évoquer la prochaine. Kun Agüero. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Luka Modric. Allez, il va y aller Agüero. Ouais, dégager ce ballon. C'était une belle occasion. Le danger est éloigné. Sergio Aguero. Il va pouvoir centrer. Luka Modric. Il prend sa chance. Oh, pas du tout cadré. Non, et honnêtement, vu comment il s'y est pris, ça risquait pas. Hein. Alors qu'on découvre les statistiques personnelles de Insigne, on ne peut que l'applaudir hein, jusqu'ici. On l'a vu, il a beaucoup tenté dans l'ensemble. Il avait envie de créer le danger. Et c'est ça qu'on attend de lui. Hein. Donc il y va, il tente à chaque occasion. Normal qu'il ait marqué. Attention, ça peut être dangereux. Allez, quelqu'un pour reprendre ce ballon peut-être. Mais non, cette action ne donnera rien. Insigne. Kevin De Bruyne. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Avec coup franc, dit l'arbitre, il y avait bien faute. Et minutes qui passent pour le gardien, sans rien avoir à faire.
crois qu'il s'ennuie, Hervé. Possible. On jouera 3 minutes en plus, 3 minutes de temps additionnel. Sergio Aguero, Insigne. La frappe, le gardien qui repousse, attention. Ça part très loin avec ce dégagement. Federico Bernardeschi. Ivan Perisic. Mais non, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Ce ballon qui est intercepté. Ça y est, l'arbitre qui siffle. La fin de la partie, c'est terminé sur cette victoire de Manchester City. Allez, un petit mot sur la performance de Lorenzo Insigne, Pierre, aujourd'hui. Un match intéressant avec un but, bien sûr, mais je pense que sa joie vient plutôt du fait que son équipe a gagné aujourd'hui. Avec un tir. Oh, le but, l'ouverture du score! L'ouverture du score déjà. Ah, ça n'aura pas traîné. Voilà une équipe qui a l'air pressée de gagner aujourd'hui. Modric. On assiste à vraiment un regroupement défensif. Hein, c'est... Oh, l'intervention exceptionnelle du gardien. Oh, quel arrêt. Ah, ça, c'est un sacré plongeon, Hervé. L'arrêt du match, peut-être. Rodri. On fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Le tir. Ah, ça passe assez loin, finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème, c'est que c'est super mal réalisé. Ouais, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à Adia. Il prend sa chance. Ouais, il y avait une frappe de mule, mais qui ne sert vraiment à rien, qui passe très largement au-dessus. Ouais, la bonne passe d'Aguero, c'est dangereux. Allez, allez, Insigne, c'est une occasion. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Il cherche un coéquipier dans la surface. Attention, ces coups de pied arrêtés, ce sont souvent des occasions de but. Brozovic. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Et minute qui passe pour le gardien, sans rien avoir à faire. Je crois qu'il s'ennuie, Hervé. Possible.